Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Et cette semaine, on va parler, oui, d'actualité et surtout de la campagne électorale qui s'est terminée avec le vote populaire qui a eu lieu le 1er octobre dernier et la formation du nouveau gouvernement de la coalition Avenir Québec. Avec moi, pour en discuter, j'ai la jeunesse, la ferveur incarnée, M. Jean-René Boutin. Bonjour Pierre. Bonjour, bonjour. Ainsi que la sagesse, hein, une pièce d'anthologie dans le nord du lac, M. Jules Simard. Salut, ça salut. Je me pose un commentaire là-dessus. C'est correct, c'est comme tu veux. mais on parlera peut-être pas juste des élections, on aura peut-être quelques petits sujets à la fin si le temps nous le permet. Mais avant de parler des élections, on doit parler de quelque chose qui est encore plus important que la campagne électorale. Dans le nord du lac, il y a seulement une chose qui est importante durant cet automne, et c'est la chasse. Êtes-vous allé à la chasse, monsieur? Êtes-vous parti à la chasse? Je ne suis malheureusement pas chasseur, je sais que j'ai un paquet de personnes qui y sont allées. C'est mon cas aussi. J'ai la carte, mais je n'ai de chasseur que la carte. Ah, bon. Mais on fait une blague avec ça, mais quand même, la chasse est hyper importante. Et quand on a décidé, entre autres, de mettre les élections à date fixe, le 1er octobre, je pense qu'on n'a pas beaucoup pensé à ça là, au niveau des régions. C'est problématique parce que, je veux dire, il n'y a pas de boîte de scrutin dans le bois. Non, et pour avoir vécu là, vraiment un peu plus sur le terrain, là, la campagne électorale, comme je disais la semaine dernière, ce qu'on a pu constater, c'est que ce n'était l'élection. Il y avait énormément de difficultés à avoir une préoccupation pour l'élection dans le comté de Roberval parce qu'on avait une préoccupation reliée à « je vais à la chasse ». Est-ce que je peux voter avant? Quand est-ce que je peux aller voter? Puis vous savez que la journée où on est allé voter, entre autres le 20 septembre, là, la première journée où on pouvait aller voter avant les BVA, comme on appelle, les gens se sont ramassés à 8 heures le matin devant le bureau de scrutin et non seulement ils se sont préparés et se sont présentés de bonne heure, mais en plus, à 9 heures, quand ça a commencé, il y a eu une panne de tout le réseau informatique du directeur des élections. C'est de là que viennent les délais. En sorte que les chasseurs qui étaient avec leur pick-up, leur 4 roues et le fusil dans la côte, il n'était pas trop content d'attendre. Il y en a, semblerait-il, plusieurs qui n'ont même pas attendu de pouvoir et se sont présentés à la chasse à ce moment-là. Est-ce que ça l'a eu? Je ne pense pas que ça a eu définitivement une influence définitive dans le cadre de l'élection. Mais ça l'a quand même eu une importance parce que la préoccupation, c'était pour les élections. Et non seulement ça, j'irais même plus loin. La préoccupation des gens, là, okay, au cours de cette période-là, est essentiellement orientée, que ce soit dans les familles, que ce soit au niveau des conjoints, la préoccupation, et même au niveau donc, des familles, les préoccupations, c'est « OK, on va à la chasse, là, on part à la chasse. » C'est la chasse. Moi, j'ai une proposition, je propose pour les prochaines élections, qu'on oblige les gens, pour avoir leur permis de chasse, il faut qu'ils aient présenté la preuve qu'ils sont allés voter. C'est bon, ça! Revenons donc aux élections 2018. On a parlé souvent cette émission-là, des vagues, hein, les vagues de changement, les gens en général veulent du changement, veulent changer. On a l'impression qu'en changeant de parti, souvent, on l'a vu au municipal, on avait parlé beaucoup l'an dernier. Et cette élection-là, est clairement dans cette zone-là parce qu'il y a eu un énorme changement. On est passé d'un gouvernement majoritaire du Parti libéral du Québec à un gouvernement de la coalition Avenir Québec majoritaire. À noter, bon, là, je donne des chiffres, après ça, je vous demande un peu votre analyse globale, en fait, de ces résultats-là. La CAQ, 37,48 des votes, 74 députés. PLQ, 24,75 des votes, c'est leur plus bas taux de votation pour le PLQ depuis 1867. Donc, la Confédération, c'est quand même alarmant. 32 députés, dont les 25 qu'ils gagnent toujours dans l'ouest de Montréal. Québec solidaire, 16,07 des votes et 10 députés. Le Parti québécois, 17,8 des votes et seulement 9 députés, avec un taux de participation de 67. Donc, tantôt, on va analyser qu'est-ce qui s'est passé dans la région, mais globalement, quelle serait votre analyse de... ou de la campagne, mais des résultats. Jules?
C'est une élection de ce qu'on appelle les vagues. On a eu la même affaire lorsque, la vague orange. Au fédéral avec on a la turquoise. Vague. Est-ce que l'ancien décor de Qu'en pensez-vous était prophétique? On a une vague orange. Il y en a véritablement une élection, effectivement, de vagues. C'est-à-dire, peu importe qui tu présentais, la personnalité des candidats et des candidates a été au second plan, là-dessus. Les gens les se idées disaient, au troisième plan. Exactement, exactement. Donc, les gens se disaient, on ne veut plus du parti d'un gouvernement libéral. Et d'ailleurs, je pense que les résultats le démontrent. On ne voulait plus non plus un gouvernement fait par ce qu'on appelle un vieux parti. Et à cet égard, le Parti québécois était représenté comme un vieux parti. Oui, les deux partis. Là-dessus. Et les performances... tant des chefs, tant au niveau de la CAQ qu'au niveau de Québec solidaire, ont su démontrer qu'ils amenaient avec eux cette idée de changer, non pas les idées et la façon de gouverner le Québec, mais de changer les figures des gens qui gouvernent le Québec. Et c'est de même que j'interprète cette élection. Oui, Jean-René? Je ne me ferai pas une voix discordante à ton analyse, Jules. Effectivement, on a affaire à toute une vague. On a vu des noms de parachutés se faire élire. Ça nous rappelle l'anecdote de Ruth Ellen Brosseau lors de l'élection du NPD comme opposition officielle à Ottawa il n'y a pas si longtemps. Ici, dans la région, on a eu aussi une candidate, j'en faisais part plutôt avec Jules, qui n'était pas une résidente de la localité, tout ça, qui a été placée, mise en place et qui a obtenu quand même des résultats qui ne sont pas des résultats de misère. Donc, elle a concurrencé d'une certaine façon un premier ministre sortant quand même. Donc, on voit qu'il y a une motivation des gens qui est apparue d'aller voter de manière contestataire, on va appeler ça comme ça, pour déloger ce que je l'appelle les vieux partis, effectivement. Donc, on a en même temps plus de polarité. On constate qu'un parti, la CAQ, bon, peut-être que certains journalistes me reprendraient là-dessus, mais que je juge de centre-droit. Parfois, on dit plus centre, moi, plus que plus ces droite, idées non, rassemblent. Plus droite, moi aussi. On pourrait même aller un peu plus. On sort du centre un peu. Donc un on gros met, centre, je trouve. Ouais, ouais. Peut-être que mon centre est large un peu. donc, on fait des pas vers la droite d'un côté. Et on a Québec solidaire, qui, on se rappelle, est un parti à tendance socialiste. Donc, on fait des pas très clairement à gauche cette fois-ci. Donc, on a une polarisation beaucoup plus grande au Québec. Ouais, les deux partis qui étaient plus au centre, libéral, centre-droit, PQ, centre-gauche, qui ont perdu. C'était, parfois même, on disait que c'était bonnet blanc, blanc bonnet avec les vieux partis, que ça se déplacer un petit peu vers la gauche, un petit peu vers la droite, tandis que là, on a une polarité beaucoup plus grande chez les électeurs. Par contre, je ne pense pas que droite et gauche aient été au centre des préoccupations des électeurs. Je ne crois pas non plus. Okay? On n'a pas voté des idées. Maintiens qu'on a voté pour changer des personnes pour diriger. Faire le ménage. Sais-tu à quoi ça me fait penser, ça, aux dernières élections municipales? Tu en as glissé un mot tout à l'heure. D'ailleurs, tu parles des municipales. J'ai entendu beaucoup de gens dans mon entourage dire qu'ils allaient voter pour un jeune, peu importe. C'est ça. C'est qui? Parce qu'ils voulaient voter pour un jeune, pour des nouvelles figures qui allaient apparaître exact, dans le monde politique. Exact. Au niveau des dernières élections municipales, on se souviendra que même si tu avais eu comme candidat, comme maire ou comme échevin, tu avais eu quand même un bon résultat, OK, au niveau de ce que tu avais réussi à mettre de l'avant au cours de ton mandat. Lorsque tu t'es présenté, les gens votaient contre toi, là. Ils ont voté pour changer. C'est mais pour changer la figure. Ouais. Et non pas le contenu. Je trouve ça dommage, moi, personnellement, parce que tu sais que j'ai toujours estimé que la politique, c'était d'abord et avant tout des idées et des actions, et de voir qu'on en est là encore au Québec. Moi, je suis d'accord en partie avec vous. Je pense que les gens voulaient du changement, mais je pense que dans le changement, il y a quand même des idées qui sont sorties. Parce que, clairement, les idées plus à droite étaient plus populaires que les idées plus à gauche. Il y avait certainement l'idée de changer. On a même eu là, les spectres là, comme le mot « communiste » qui m'ont fait beaucoup rire durant cette campagne-là pour identifier la gauche, en fait, là, qui était loin, loin, loin d'être communiste. Mais certaines idées, fait que je pense que oui, au niveau du changement, on a peut-être délaissé les vieux partis, mais foncièrement, dans les idées de droite et de gauche ont quand même polarisé, non? Je reviens malheureusement à mon idée en disant que les idées ont quasiment pas... on a eu des attaques personnelles, on a eu des choses au niveau des la politique spectacle. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, les gens, ce qu'ils voulaient, c'est on change les figures de ces personnes-là. Et sais-tu à quoi, moi, ça me fait penser? Ça me fait penser, et c'est pas injuste pour la dernière élection,
Je pense que nous avons une problématique assez grande au Canada et au Québec sur notre leadership politique. OK? On n'a personne qui va nous amener à rêver parce qu'il y a un charisme et il a une façon d'amener. On n'a pas personne là, là-dessus. On a de très bons techniciens, on a de très bons avocats, de très bons comptables qui sont à la tête de nos gouvernements. Mais quelqu'un là, qui va t'amener à dire « faut oser, faut faire… » Là, vous fait, je fais référence entre autres à Lucien Bouchard quand Lucien Bouchard est arrivé dans le décor. Il a réussi à faire… Puis peu importe là, les idées, mais quand il disait « il faut oser », bien là, il a amené, lui, un discours pour amener les gens derrière de lui et on le voyait, cet élément-là. Mais ça va plus loin que ça, parce qu'avec son texte sur les Lucides, ça l'a amené aussi son texte, ça l'a amené aussi une confrontation avec les solidaires qui a amené la création de Québec solidaire. C'est ça. On a pu on n'a plus de René Lévesque au Québec, qu'on le veuille ou non. Même si tout le monde l'a bien connu. Hein? Exact. J'irais jusqu'à dire, on n'a plus de Diefenbaker, on n'a plus de Pierre-Éliott Trudeau qui, tu sais, c'était des gens qui amenaient les, successivement des gens à les suivre parce qu'ils avaient des visions qu'ils projetaient. Ouais. Et là, aujourd'hui, des petits projets. Ouais, dans cette problématique-là, il n'y a pas juste les gens. Je pense que l'organisation partisane, le fait que tout passe par des agents de communication. Il n'y a plus vraiment de scrub où on parle directement aux politiciens. Tous les messages sont concentrés. Comme si les politiciens étaient obligés d'avoir toujours la bonne réponse, d'avoir toujours la vérité. Moi, je rêve d'un politicien à lequel on va lui poser une question puis qui va nous regarder puis va faire « Hey, je le sais pas. » On peut-tu y penser? On va organiser, on va prendre le temps. Hey, ça, c'est hyper humain. On ne peut pas tout connaître, mais le message est tellement filtré que quand ils posent des questions où ils sont pris, bien, qu'est-ce qu'on ressort, la cassette? Puis là, bon, finalement, on n'a pas de vraie réponse. C'est ça. Puis moi, je suis d'accord aussi sur le fait que c'est une campagne très… beaucoup à l'image des campagnes américaines, là, où on va plus essayer de trouver, de discréditer l'autre à la place de faire valoir nos idées. À la place de dire « mon idée est meilleure que la mienne, regarde, je vais te l'expliquer », on dit « attends, toi, t'es pas bon. Non, je suis pas bon, c'est toi qui es pas bon. » Et là, c'est mon père est plus fort que les chefs sont souvent dans ce sens-là, où est-ce qu'on répond courtement notre point de vue pour ensuite déconstruire l'idée de l'adversaire et dire que vous avez des mauvaises idées, contrairement à vous dites le contraire de moi, mais regardez vos mauvaises idées et on suppose que les électeurs vont dire « Ah, mon Dieu, c'est vrai, il y a des mauvaises idées, il ne faut pas voter pour eux. » Tout le monde a des bonnes et des mauvaises idées, après tout. Il y a un élément dans un discours, et quand j'étais jeune journaliste, on me disait « Quand tu relates des choses, oublie les qualificatifs. » Et on a une campagne électorale où ce n'est pas un bon premier ministre. Bon, ce n'est pas quelqu'un qui est compétent. On amène un adjectif et les gens accrochent à quoi? Pas au fait que monsieur a manqué de connaissances pour répondre à telle question. Non. Hey, gars, t'es un incompétent, celle-là, il n'est même pas capable de répondre à la question. C'est ça qu'on a. Tu comprends? On en est rendu à faire aussi des campagnes électorales, non pas juste sur des idées, mais sur des qualificatifs. Et tu sais, « Ah, moi, je l'haïs, celui-là, moi, je vais voter contre. » Ben oui, mais c'est pas une raison, en tout cas. Je suis d'accord. Que pensez-vous de l'attitude du premier ministre désigné dans ses discours jusqu'à maintenant, où il parle de rassembler, où il parle d'aller chercher les idées des autres? Ben je pense qu'en ce moment, là, après quelques jours... il est dans sa lune de miel, on va y laisser ça. Mais moi, je veux revenir sur ce que tu disais au niveau du salissage ou de on va classifier, mais je pense que les journalistes ont un mea culpa à faire aussi parce que on dirait qu'ils cherchent la merde. Ils veulent pas rapporter l'information, les plateformes. Ils cherchent le trouble parce que c'est ça qui vend. Fait qu'est-ce que c'est de la faute de la journaliste ou c'est les fautes des gens? Parce que sinon, on a l'impression que la campagne est plate s'il n'y a pas de salissage, on parle juste des idées. Mais on dirait qu'on cherche le scandale. Il y a une problématique là-dedans. Dans une culture du coupable, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Bon, revenons maintenant ici, Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'est-ce qui s'est passé? Comté Robertval, c'est le comté où on est, donc on va en parler. Philippe Couillard, qui était le député sortant, a été réélu, 42% des votes. Moi, je considère que c'était un peu une non-campagne dans Robertval. Pourquoi? Ben, Denise Trudel de la CAQ était, tu l'as dit plutôt, parachuté
Elle n'a été zéro présente sur le terrain dans Roberval et a quand même été chercher presque 25 % des voix, ce qui est un peu étrange. Thomas Godreau, presque 20 % de l'électorat pour le PQ. Jeune candidat, je pense qu'il a fait une belle campagne de terrain, mais je pense que c'était difficile parce que l'idée que... Surtout à cause des... Je reviens au sondage. Comme les sondages avaient fait valoir que ça allait être serré, ce qui n'était pas du tout le cas, entre le PLQ et la CAQ, bien, je pense que les gens ont dit, bien, tant qu'à ça, on va tenter le premier ministre parce que ça a été payant. Québec solidaire, 10,7 %. Ma question, comment vous analysez ces résultats-là dans le comté Roberval? Et aussi, qu'est-ce qui va arriver avec M. Philippe Couillard? Va-t-il rester simple député de Roberval ou va-t-il quitter, comme moi, je pense qu'il va quitter d'ici la fin de la semaine? Oui, bien, en fait, je pense que quand, au soir de l'élection, il l'a quasiment souligné qu'il ne resterait pas longtemps parce que, bien, en fait, qu'il ne resterait pas longtemps que le débat, si je peux m'exprimer ainsi, sur est-ce qu'il va quitter ou est-ce qu'il va rester, ça ne s'éternisera pas. Donc, il faut s'attendre qu'effectivement, peut-être qu'au moment où on diffuse la décision... Déjà, M. Couillard sonnait comme s'il avait déjà son idée en tête et qu'il attendait quelques jours avant de la révéler. Et je te dirais qu'il l'avait aussi même pendant la campagne. Parce que même pendant la campagne, on a pu voir dans les apparitions publiques qu'il n'y avait pas d'enthousiasme. Dans ce qu'il avançait ou dans ce qu'il annonçait. Mais il manque, moi, je trouve qu'il a manqué beaucoup de sensibilité auprès du vrai monde. Oui, il y a ces éléments-là. Donc, juste pour indiquer, je reviendrai en disant que dans le comté de Roberval, moi, en tout cas, mon analyse, c'est qu'on a voté pour une forme de reconnaissance à un individu qui, pendant les quatre dernières années, de peu importe le parti dans lequel on était, il faut reconnaître que si nous lui amenions un dossier local, il avait, un, l'autorité de pouvoir nous amener des choses, ouais. Et il l'a utilisé à escient, je pense, dans ces éléments-là. Le jardin zoologique de Saint-Félicien, lui, en veut certainement pas d'avoir été le député. Hein, il y a un 20-quelques millions qui a été investi. Dans toutes les municipalités, on a pu avoir. Alors ça, les gens ont dit, OK, c'est correct, même si on pense que tu ne passeras pas, nous allons donc voter pour toi pour une forme de reconnaissance, OK, de ce qui s'est fait. Ce qui a fait en sorte que, peu importe ce que tu pouvais amener comme idée dans le comté, pour aider à solutionner certaines problématiques ou encore faire avancer, ces idées-là n'ont pas passé nulle part. OK? Tu n'as pas... Tu discutais avec les gens, puis... on sait que les partis libéraux ne passeront peut-être pas, mais nous, on va quand même accorder notre appui à M. Couillard, qui... Tout le monde se le disait tout aussi. Fort probablement qu'il ne restera pas s'il est élu. Mais c'est pour ça que je te dis que ça a été un vote de reconnaissance au départ. Il ne faut pas oublier qu'il a quand même eu moins... parce qu'on a un taux de participation qui est plus bas, OK? Oui, il a quand même moins d'appui qu'à la dernière campagne électorale. Mais je pense que ça n'a tellement pas levé dans Roberval que les gens ne sont pas sortis. Ben, c'est ça. On en faisait état lors de notre dernier « Qu'en pensez-vous, Pierre? Ouais. » Ça n'a vraiment pas décollé dans Roberval. Ça a été une campagne de... On sentait que les choses étaient comme... d'avance, donc on attendait que le résultat nous révèle ce qu'on pensait qui allait arriver. Et finalement, est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? Peut-être que oui, peut-être que pour certains, non. Ouais. Mais je voudrais revenir sur la question, on a eu moins de voteurs ou enfin l'abstention où on n'est pas allé voter. Outre la question de la chasse, telle qu'on le parlait tout à l'heure, OK, il y a quand même aussi des gens qui se disent, peu importe ce qu'il y avait dans la campagne électorale, ça ne nous rejoint pas et nous n'avons pas été votés. Mais ça, c'est vrai aussi qu'il y a eu très peu d'enjeux locaux, régionaux. Il y a même des partis, dont la CAQ, qui n'ont même pas présenté de plateforme régionale. C'est la caractéristique des Pourtant, votes. Pourtant, la CAQ a réussi à rejoindre une certaine partie de l'électorat qui, justement, a des choses, des critiques à adresser au système traditionnel. Ils parlent beaucoup de changements. Ouais. Beaucoup de changements, des fois des changements d'envergure. Rendu là, est-ce qu'on n'a pas rejoint justement un certain électorat qui n'aurait peut-être pas été voté? La CAQ a tablé là-dessus le mot changement, mais on en reparlera dans 4 ans. Oui, effectivement. Comment ça va voir. L'important, c'est le discours au moment où on en est. On n'a que le discours. Toi, tu penses que ça a été mobilisateur?
mobilisateur. Je ne te parle pas injuste pour le comté, peut-être. Là. Ça a été mobilisateur, le discours, on vote pour le Cramon, on vote pour la CAQ. Non, mais pour tous les gens qui, eux, dans leur tête, on en parlait plus tôt, disent « moi, je veux changer coûte que coûte », ben tu sais… Le fait que tu le dises était là. En fait, Jules, c'est un nouveau parti, donc ils n'ont jamais eu l'exercice du pouvoir, donc on va leur donner une chance. Ouais. On va leur donner une chance. Mais, un nouveau visage. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On verra. Quand on prend le temps de lire les idées, mais on ne peut pas demander à tout le monde d'être féru d'actualité, de politique, de connaître. Fait que certains se sont juste basés sur ce qu'ils entendaient, ce qu'ils voyaient. Et puis, bon, on a tablé là-dessus beaucoup. Là. On sait que c'était la stratégie que Philippe Couillard avait employée à la dernière élection. Il parlait d'économie, puis c'était juste l'économie, puis l'économie, puis l'économie, puis l'économie. Puis pour gagner l'élection, bien, François Legault arrive sur sa posture de gestionnaire et dit qu'il va faire un ménage dans la fonction publique. Bon, etc. Je vous amène dans Lac-Saint-Jean. Éric Girard qui détrône forteresse péquiste depuis des années. Maintenant, Éric Girard de la CAQ, agriculteur qui va être député Lac-Saint-Jean. En ordre, William Fradette du PQ avec 31%, Manon Girard de Québec solidaire avec 15%, Mathieu Huot du Parti libéral avec 12%. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est surprenant? Est-ce qu'il y a encore des forteresses? Ça aussi, moi, je crois de moins en moins. Je pense que la forteresse est souvent associée à la personne qui porte la forteresse. Mais je pense que l'électorat est maintenant un tiers de forteresse, ouais. Avec les données que tu viens de nous donner, un tiers de forteresse, qui est à mi-chemin de rejoindre ce seuil-là dans Lac-Saint-Jean. C'est plus fort de 4 points de pourcentage, à toute chose près, que dans Robertval. Donc, est-ce qu'il y a là une montée aussi en région de ce discours-là? Pourtant, les petits partis en région, je ne crois pas qu'il y ait une grande prégnance dans leur capacité d'ascension. Historiquement, je ne pense pas qu'il y ait des petits partis vraiment qui se sont hissés rapidement. Le fait que tu parles de QS, mais Manon Girard, c'est une fille qui est à Alma, qui fait beaucoup de choses au niveau du communautaire, qui a beaucoup aidé avec son café. Ils sont très bons là-dedans pour aller chercher des candidats de ce genre. C'est vraiment une candidate de qualité. Oui. Mais en même temps, on pourrait y revenir peut-être. Mais on disait que les candidats, on n'a pas vraiment voté pour tant que ça. Ouais. Moi, je pense que dans Lac-Saint-Jean, la réplique exacte de c'est quoi un vote de vague. Mm-hmm. Et ça a été cela. Parce que, pour avoir côtoyé et rencontré aussi le jeune qui était candidat du Parti québécois à ce niveau-là, la personne a été très présente sur le terrain. Oui, elle a rencontré des gens énormément au cours des derniers mois. Ça semble avoir porté fruit. Là-dessus. Et ça n'a pas rapporté fruit pour une certaine bonne raison. On a un vote de vague. À 31, on est tout de même, on est dans l'autre dizaine par rapport à Thomas Godreau. Oui, je suis d'accord. Dubuc, donc, François Tremblay qui remporte la CAQ, même s'il y a eu plein de scandales autour de lui. Serge Chimard, député sortant qui perd et qui a dit qu'il prenait sa retraite de la politique. Marie-Annick Fortin, troisième, 21%. À seulement 1% de Serge Chimard qui est à 22%. François Tremblay, 40%, ce qui est quand même beaucoup. Marie-Francine Bienvenue de QS, 12%. Surprise dans Dubuc, parce qu'on sait que Serge Chimard était quand même beaucoup apprécié, mais François Tremblay est quand même quelqu'un qui a bien fonctionné au niveau municipal, qui s'est opposé à l'administration de Jean Tremblay aussi. Puis on sait que cette administration-là n'a pas été nécessairement très populaire, même si c'est pas mal la même idéologie. D'ailleurs, Jean Tremblay a aidé la CAQ durant cette campagne. Vous en pensez quoi, Jules? Dans Dubuc, il y a le phénomène encore là, du vote de la vague. Mais pour avoir fait déloger Simard, qui était au niveau du Parti libéral, même depuis plusieurs années qu'il était là, on lui avait fait jouer, qu'on le veuille ou non, un rôle un peu moins important parce qu'on avait le premier ministre dans la région. Alors, je pense que ça a peut-être eu une forme d'influence. Et il ne faut pas oublier qu'il avait réfléchi énormément avant de se représenter. Ouais. Alors, les gens, tu sais, est-ce que je me représente? Fort probablement que M. Couillard a dit « Écoute, on n'a pas le droit de l'offrir, là. Tu reviens. » Alors, le fait qu'il y a eu beaucoup de défections avant les élections. C'est ça, exact. Tu comprends? Alors, c'est un peu dans ce sens-là que les gens ont dit « Bon, mais écoute, oui, on t'envoie te reposer, toi aussi. » Et on a voté. Donc, c'est vraiment les votes de vague, moi, dans mon esprit. T'avais-tu quelque chose à rajouter pour Dubuc? Pas vraiment. Je constate, par exemple, que on n'a pas encore parlé de Jonquière, mais jusqu'à maintenant, les gens qui ont été élus ont tous été élus autour de 40%. Oui. Jonquière, donc Sylvain Godreau, député sortant, qui remporte haut la main avec près de 50% des voix. Benoît Rochefort,
qui a baigné aussi dans certaines controverses avec 30 % pour la CAQ. Parti libéral et QS avec moins de 10 % n'étaient vraiment pas dans la course. Là, on peut parler de Sylvain Gaudreau, l'homme, je pense, oui, qui est très apprécié au parti en région. Et puis qui a travaillé pour le comté de Jonquière. Et dans son comté. Énormément dans son comté. Vous pouviez des actions comme il avait réussi avec les travailleurs qui s'étaient en fait flouis. Il a fait passer des lois pour pouvoir permettre qu'ils soient moins... C'est un travaillant moins, politique. Et là-dessus, on reconnaît, les électeurs l'ont reconnu. Mais je voudrais juste souligner l'aspect des sondages, où est-ce qu'on le mettait deuxième. Deuxième à comme 15 points, mais il ne prenait pas, il était fâché un matin à la radio. Mais on va y revenir sur les sondages, parce que les sondeurs se sont en partie gourés là, d'une manière assez solide. Puis en tout cas, on va y revenir, là, parce que c'est quand même intéressant. Et à Chicoutimi, donc encore là, qui était considéré comme une forteresse péquiste, on met fin à 45 ans de Parti québécois dans Chicoutimi, avec la victoire d'André Laforêt de la CAQ, qui va chercher presque 40 % des voix, suivi de Mireille Jean du PQ, la députée sortante avec 25 % Marie-Josée Morancy avec près de 20 % et Pierre Dosti, qui a, je dois dire, moi je trouve, il a fait une belle campagne avec 13 % des voix. Mais donc, André Laforêt, on parle même d'elle comme étant ministrable. Là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-René. C'est pas une candidate qui m'est très, très connue, donc je passe la parole à Jules. Bon. Ben là, c'est ça, le phénomène, là. Il y avait, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la dernière partielle, quand le Parti québécois avait remporté l'élection avec Mme Mireille Jean, elle a fait et elle a eu des rôles importants au niveau de l'Assemblée nationale, quand même, comme critique en matière d'économie, en matière d'entreprise et ces choses-là. Et elle a fait un travail assez grand là-dessus. Et dans son comté, elle-même, elle-même qui était une chef d'entreprise, avait favorisé et travaillé énormément pour les P que les M entreprises dans son comté. Et ça, ce phénomène-là, enlève la question de la vague, je pense qu'elle aurait pu conserver effectivement son siège parce qu'on reconnaissait en elle, effectivement, la travailleuse acharnée. Et ça, sur le terrain, tu l'avais chez les électeurs. Mais on a encore là, je sais que je radote, là, mais on a voté vague. On a voté vague. OK. Maintenant, on va faire le tour de chacun des partis pour regarder... Qu'est-ce qui va arriver? Donc, la CAQ remporte son pari, et de loin, là, moi, je pensais qu'elle allait être soit minoritaire, soit majoritaire, mais avec une courte avance. Mais là, ils sont majoritaires solidement, là, c'est pas... François Legault remporte son pari, on en a parlé, bon, la vague, le changement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec la CAQ? Qui est ministrable? Comment va être gérée la province? Jean-René? Certainement que si François Legault va de l'avant avec tous ces changements, la province va se voir modifiée dans sa structure, dans certains égards. Penses-tu qu'il va respecter toutes ses promesses? Il y a beaucoup de ces promesses qui nécessiteraient des travaux de longue haleine dans les lois. On parle de déconstruire certaines structures qui sont là depuis longtemps. Il veut réformer l'éducation. Donc là, on a affaire à plusieurs lois qui instituent des organismes et des façons de faire. Donc, est-ce que c'est faisable? Bon, peut-être qu'il y a des choses qui... Tout se fait quand l'électorat te donne un mandat et que tes députés sont derrière toi, que l'Assemblée vote du sens d'où tu veux aller. Mais rendu là, combien de temps ça va prendre? Est-ce que ça va être réalisable dans deux mandats? Est-ce que les gens vont pas contester? Est-ce qu'il va y avoir une fin de lune de miel avec ça? Bien, ça, c'est certain. Il va toujours avoir de contestation. On est très tôt, là. Moi, ma grande question, c'est sur le mode de scrutin, parce que clairement, ça a avantagé la coalition Unir Québec, comme plein de partis qui avaient promis la réforme du mode de scrutin. Parti qui est élu et qui avait promis ce genre de choses-là, tout d'un coup, on voit que le système de scrutin a réussi à le faire élire. Donc, est-ce qu'on va retoucher à ça? Mais là, mardi, déjà, il disait que oui, c'était dans la première année, on allait réformer le mode de scrutin. C'est quand même une sous-couche de l'organisation. Parce que même René Lévesque en avait parlé longtemps, il ne l'a pas fait quand il rentre au pouvoir. Est-ce que ça va être le changement, le mode de scrutin, changer la date? Donc, le 1er novembre, il reste le 1er novembre. Le 24 décembre. Le 24 décembre. Toi, comment tu analyses la CAQ, sa campagne? Ben, je pense que, tel que nous connaissons quand même M. Legault, c'est un pragmatique. Or, les problèmes quotidiens au Québec
vont être sa priorité d'intervention avant même la mise en place de son programme. Et actuellement, là, il y a une préoccupation qui est assez grande, OK, qui concerne, on sait qu'il y a eu les annonces concernant le libre-échange et qu'est-ce qu'on a décidé de faire avec le Québec par rapport à l'Ontario sur ce dossier-là. Et tu comprends que lui-même, il m'a semblé avoir une position un petit peu plus mitoyenne concernant, entre autres, la question de l'industrie laitière. Les biscuits. Les biscuits laitières. Et il m'a semblé avoir une position moins campée, donc peut-être plus négociable ou discutable. Il parlait déjà de la clause dérogatoire pour... C'est ça. Il faut qu'il le regarde très sérieusement. Maintenant, la problématique, c'est qu'on n'a pas de pouvoir dessus. Ouais. OK, on n'a pas de pouvoir là, là-dessus. C'est juste. C'est un peu le comme l'immigration. On veut bien changer les choses, mais jusqu'à quel point on a la main sur les outils nécessaires. Or, ça là-dessus, je pense qu'il va être confronté rapidement. Et est-ce que ces velléités indépendantistes qu'il a déjà eues ne pourront pas revenir et dire écoute-moi bien, c'est vrai, on n'est pas capable de faire avancer notre dossier? Parce que nous n'avons pas ce pouvoir-là et il appartient à quelqu'un d'autre pour nous faire avancer. Je ne sais pas jusqu'à quel point ces éléments-là ne pourront pas revenir et être, pour lui, à durcir un petit peu plus le discours qu'il peut avoir par rapport à l'ensemble. Je ne sais pas, mais dis-toi une chose, il est actuellement... Pour l'instant, on l'a quand même entendu dire qu'il voulait un Québec fort dans un Canada fort. Et, c'est ça. La bonne vieille tirade. Mais là, pour l'instant, c'est des mots, ça. Dans la pratique de tous les jours, quand les agriculteurs québécois viennent de se faire dire « Écoute, pendant 29 jours dans une année, là, on voudrait que tu ne travailles pas. » C'est ça, le libre-échange qui est allé faire. Puis parlez-en à l'ensemble des agriculteurs. C'est un problème qui est brûlant. « Hey, 29 jours, ça vient, c'est quoi ça? » C'est un mois dans l'année. Alors, pendant un mois dans l'année, là, tu dis aux agriculteurs, écoute-moi bien, reste chez vous, fais rien. Hey, surtout, sors pas dehors, fais sortir tes vacances. Mais si on les paye, ils pourraient prendre des vacances. Avec l'ALENA et avec d'autres sujets du genre, M. Legault vient de se faire lancer une patate chaude. Ah oui! L'actualité, un pragmatique qui veut s'attarder à s'occuper des problèmes et à vraiment les régler pour des gens qui ça dérangeait. Bon, ben là, ça va être la un patate gros, vient gros, lui arriver. Gros là, dossier. Il faut qu'il s'adresse avec ça. Oui, sur la maternelle 4 ans. Oui. Ça, on a entendu parler là-dessus. Ah oui, il a mis son siège en jeu au premier débat des chefs. Non seulement, là, actuellement, dès la première journée. Hein, on est mitigé déjà. Un recul sur la question. Ouais. C'est simple. Je pense que quand on lui avait bien dit pendant toute la campagne, et moi, vous n'avez même pas prévu d'argent pour faire votre maternelle cadran. Et parlez-en à toutes les personnes qui sont dans le domaine de l'éducation, en gestion d'éducation, OK, et ils vont te dire, écoute, non seulement nous ne pouvons pas les accepter, nous n'avons pas le personnel les accueillir, deuxièmement, nous n'avons pas de locaux pour les accueillir. Hey, là, tu es dans le monde de l'éducation, puis tu dis, on fait des maternelles cadran dans toutes les écoles. En tout cas, mais je pense qu'il s'était donné 5 ans, peut-être qu'il va construire, engager. Ouais, faudrait qu'il s'en donne 4. Ouais. Et ce que tu nous amènes juste, ça nous rappelle là, qu'on a voté pour le changement, mais est-ce que ça change vraiment d'avoir voté pour un candidat qui s'est fait lire sur des promesses sur lesquelles il n'y a pas vraiment la main dessus? On va voir ça. Est-ce qu'on aura des ministres, un ministre ou deux dans la région avec les trois candidats caquistes, vous pensez? J'en prends un. S'en prend un. Ils ne peuvent pas passer, ils ne peuvent plus passer à côté. Ça va en prendre un whip, parce qu'on sait qu'il y a une candidate aussi, pas une candidate, mais une députée qui a été élue au niveau de la CAQ. Oui, moi, je pense qu'il ne pourra pas passer à côté. Et en nommant, est-ce qu'il va y avoir, comme on l'a déjà vu dans le temps, le ministre Chasse-Pêche, peut-être pas, là, l'importance du ministère, mais au moins d'être capable de voir quelqu'un de la région. On va déplacer la chasse au lieu des élections avec le ministère. Ouais. Et qui tu vois? Je ne pourrais pas te nommer dans un des trois là, qui peut être. OK. Ben, moi, je pense mettre Girard en agriculture ou La Forêt en famille. C'est comme leur spécialité aussi. Chose est sûre, M. Legault va avoir à solidifier sa présence avec justement des ministres dans les territoires. C'est ça, il faut qu'ils conquièrent, qu'ils s'installent sur les territoires conquis, si on veut, là, parce que ça risque d'être une vague sans ressac s'il ne fait pas ça.
OK, Parti libéral du Québec. Donc, Parti libéral, défaite historique, le plus bas taux de votation pour le Parti libéral depuis 1867. Le plus bas nombre de députés depuis 1976. Qu'est-ce qui va arriver avec le Parti libéral? Est-ce qu'on parle de reconstruction? Est-ce qu'on a perdu beaucoup de teneurs? Je pense à M. Moreau, entre autres. Là, des surprises, des gens qu'on ne pensait pas. Est-ce que des gens comme Gaétan Barrette, Carlos Etao vont rester au Parti libéral? Qu'est-ce qui va arriver avec le Parti libéral? Même si on sait que le Parti libéral, c'est un peu comme un chat, là, ça a 9 vies, sinon plus. Jean-René? Rappelle-moi ta question, Pierre. Bien, le Parti libéral. Le Parti libéral. Point d'interrogation. La situation. Point d'interrogation. Donc, c'est assez général. Le Parti libéral. Quand même, on s'est relevé un vieux parti. Qui vient de se faire manger une claque, on va dire ce qu'il y en est, là, qui vient de retirer d'une majorité. On surtout que c'était pas c'est une claque, mais c'était pas une claque annoncée, parce que non, dans c'est les ça, sondages, non. Ça allait être plus serré. C'est ça, je pense que les gens n'ont pas vu venir ça avant 20h34, où est-ce que tout d'un coup, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe, tu es en train de sortir. On a dit que le vote n'a pas sorti chez les libéraux. Bon, effectivement, je disais tout à l'heure, on a une culture du coupable, il faut trouver qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, il faut mettre le doigt dessus. Le vote n'a pas sorti. Est-ce que ça veut dire que chez les partisans libéraux, on est désabusé. On parle que M. Couillard n'a pas vraiment su rejoindre l'establishment, si on veut, du parti. Il y avait quand même des gros noms. On a entendu quand même parler souvent des Letao, des Barrette, des Coiteux, tout ça. Mais qu'en est-il des autres qui sont peut-être moins établis? Est-ce que dans leur comté, est-ce qu'ils ont su vraiment rallier les gens? Là, on parle Montréal maintenant, on a atteint le titre de bunker, non plus de forteresse, non, mais c'est quand même un bunker nucléaire sûr, là, du Parti libéral. Même Enrico Ciccone a été élu. Ouais. Et alors là, on s'est fait malmener ailleurs peut-être. Là. Ou est-ce que c'était peut-être moins solide ou est-ce qu'on votait de manière peut-être plus opportuniste? Ben on sait que le vote chez les francophones était loin d'être acquis chez les libéraux. Au niveau du Parti libéral, il va y avoir... C'est la défaite de l'establishment libéral. Carrément. OK? Parce que ils n'ont pas le même type de membership que tu vas avoir au Parti québécois ou même à la CAQ, ils n'ont pas de membership. Mais tu sais, le membership n'est pas fait d'un militant en soi, c'est vraiment l'establishment. Or, l'establishment a à se repositionner sur l'échiquier québécois. Le Parti libéral mort, moi, j'y crois pas. OK? Mais le Parti libéral actif, dans la vie politique au Québec, il va falloir qu'il revoie ses façons de faire et qu'il revoie lui aussi et son message et le pourquoi du comment on met. On va-tu assister à un changement de garde sur cet establishment-là? Fort probablement. OK? Fort probablement. Et on va donc voir lui aussi. Ils ont 4 ans, en fait, pour rebâtir une idée de base. C'est une bonne question pour se questionner sur qu'est-ce que le Parti libéral, quelles sont ses idées principales, parce que depuis Jean Charest, ancien chef du Parti conservateur, on a eu un certain glissement là, de l'idéologie libérale importante. Les Québécois s'en sont presque pas aperçus pour les plus jeunes, parce qu'ils avaient connu presque seulement les années libérales de Jean Charest et tout ça. Les gens qui sont comme moi, nés en 90, on a un Parti libéral qui a très mauvaise presse, que les locaux-locaux chantent et déchantent plutôt. C'est sûr qu'on est loin de Robert Bourassa. On est loin, de oui, effectivement. Mais ces gens-là ont amené quoi? Ils ont amené aux Québécois, ils offraient un rêve, un plan de l'action à faire pour s'aider à se développer. C'est parti de Jean-Lessage. Depuis notre ami M. Charest, ce à quoi on a assisté, c'est un gouvernement de gestion de l'affaire publique. Gestionnaire. Et quand tu fais des gestions de l'affaire publique, OK, tu ne fais pas de politique. Et c'est un parti qui n'avait pas, ne pouvait pas dire à des gens, voilà ce que les gens disent. Ah, voilà, dans la dernière année et dans le dernier mois, et voilà, nous avons maintenant des marges de manœuvre. Voilà ce qu'on va vous faire comme projet. Voilà ce qu'on va... Ça, là, hey, ça, c'est fait même pas de la vieille politique, ça. Le Duplessis faisait ça, puis il creusait les rivières quand il n'y avait pas de pont. Bon. OK, je vous amène maintenant au Parti québécois. Parti québécois, bon, défaite là, annoncée. Est-ce qu'on pensait que ça allait être aussi pire que ça? Je suis pas certain. Jean-François Lisée qui quitte. Vraiment une défection. Jean-François Lisée, qui, à part la dernière semaine, je trouvais qu'il avait fait une belle campagne, mais on n'avait pas réussi à faire bouger l'aiguille des sondeurs. Là. Puis une dernière semaine catastrophique, selon moi. Là, qu'est-ce qui se passe avec le PQ? Est-ce que
comme dans le documentaire de l'ancien Les Cyniques, là, je ne me rappelle plus, où il disait que le PQ était l'histoire d'une génération. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il va y avoir du renouveau PQ? Qui va devenir chef du PQ? Plein de questions que je vous pose. Jules, spécialiste du PQ? Oui, je le sais pas. Ouais. En fait, ce qui va se passer au départ, c'est qu'il va falloir que les membres, les militants du Parti québécois, se réassoient et se disent qu'est-ce qu'on se réapproprie dans notre message. Est-ce que nous voulons avoir un parti politique, fondamentalement, c'est pour prendre le pouvoir. Mm-hmm. Est-ce que nous voulons reprendre le pouvoir À tout prix, mm-hmm. comme ça a été le cas lors de la dernière élection. Et je dois dire, les trois dernières élections, on en était là-dessus. Tu sais, quand on dit, ah, regarde, le Parti québécois, au cours des trois dernières élections, ça ne faisait que baisser. Bien, ça ne faisait que baisser. Pourquoi? Je veux dire, on a complètement oublié de dire que c'était un parti souverainiste qui voulait faire l'indépendance du Québec. Puis qui était historiquement social-démocrate, puis qui l'était de moins en moins. Mais surtout... Que tu le veuilles ou non, c'est le discours nationaliste qui fait en sorte que ce parti-là gagnait des votes. Aujourd'hui, depuis qu'il l'a mis de côté ou qu'il l'a mis en étapisme, la question de l'indépendance du Québec, là, c'est battu, c'est des référendums. Hey, c'était pas l'indépendance du Québec un référendum, là, ça, là. Mais on l'a oublié d'en parler. Moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas personne qui a voulu dire à un moment donné, voilà, si tu votes pour le Parti québécois, tu vas voter pour quelqu'un qui, oui, veut faire l'indépendance du Québec, et voilà comment il veut la faire. Ouais, et là, la pédagogie de l'indépendance. Ben oui, mais on n'en faisait plus. Est-ce qu'il n'y a pas un certain poids historique relié à ça, ou que le Parti québécois ne porte pas sur lui, à quelque part, l'image de « on a voté pour eux pour faire l'indépendance et ça ne s'est pas produit à deux reprises ». On n'a jamais voté pour lui pour faire l'indépendance. On n'a jamais voté pour le Parti québécois pour faire l'indépendance du Québec. On a voté pour le Parti québécois lorsqu'on a fait l'étapisme, OK, avec un M. Morin qui nous avait suggéré ça, pour prendre le pouvoir afin de remplacer un gouvernement du Parti libéral qui avait lui aussi une forme d'usure du pouvoir. Et on l'a élu. Hein, dans 4 ans, on va vous faire un référendum pour savoir si vous voulez qu'on y aille négocier. Il n'y a jamais personne qui a parlé de faire l'indépendance du Québec. On n'a jamais fait au niveau du Parti québécois, une élection référendaire, comme on dit. Si tu votes pour moi demain matin, là, si tu votes pour le PQ demain matin, nous, on entreprend les démarches pour faire l'indépendance du Québec. Jamais ça s'est fait. Jamais. C'est pas un peu pour ça qu'ils ont perdu, en fait, leur fort, parce qu'à un moment donné, les gens ne se retrouvent pas là-dedans? Oui. C'est que tu ne te retrouves plus. Si je suis un parti comme les autres et que je veux gouverner une province... OK? Et puis que j'ai un programme qui fait en sorte que j'ai pas tous les pouvoirs, mais tu sais, je suis capable de m'en aller. C'est que tu dis au monde, que non, l'indépendance du Québec, là, bon, là, tu sais, regarde, on est capable de faire quelque chose quand même à l'intérieur du mouvement qui est là. Et l'autre élément, à mon avis, puis je vais le dire carrément, là, l'autre élément, à mon avis, qui a fait en sorte qu'au niveau du Parti québécois, le message sur la question de la souveraineté a été abandonné, c'est qu'on a dit on va faire élire un Bloc québécois à Ottawa. Puis le Bloc québécois à Ottawa, là, quand il a été élu, puis quand il a été là, il a permis d'atténuer le pourquoi du comment il ne faut pas que tu votes pour l'indépendance du Québec. T'as une gang de chiens de garde là, à Ottawa qui font en sorte qu'on surveille. Je m'excuse, je fais de la politique et non pas une analyse donc, politique. Donc pour toi, Jules, pour que le Parti québécois se ressente sur son idéal souverainiste. Ah oui, fondamentalement. Pour moi, oui, fondamentalement. Mais, qu'il ne devienne qu'un seul mouvement, je m'en fous. Bien, Québec solidaire, on voit qu'il a grossi énormément dans les sondages et pourtant, eux, on affirme très bien la souveraineté. Bien que le seul parti qui ne fera pas l'indépendance du Québec, OK? Parce qu'il est irréaliste à plusieurs égards. Dans la force des choses, c'est Québec solidaire. Non, on parle pas de ça. Bien, on va y arriver à Québec solidaire. Donc, Québec solidaire, belle progression. En fait, ils sont passés de 3 députés à 10. Ils ont mobilisé les jeunes. Moi, je pense qu'ils ont fait rêver les gens. Ils ont fait des propositions confrontantes. Puis, bien, ils ont fait de la pédagogie, en fait, auprès des gens. Là. Ils ont fait de la politique. Encore trop, Ville a passé une... Je trouve qu'ils ont pas assez connectés avec les régions ou le territoire, à mon goût, à moi.
Mais bon, jeune parti. Mais c'est pas faute d'avoir essayé. On a vu une tournée des régions quand même. Une tournée des régions. Oui, mais on a positionné des candidats très éclectiques. Et on s'est vraiment adressé aux jeunes. On veut se montrer contestataire, vraiment. Mais je pense qu'on tente de recréer une nouvelle génération, comme un peu le PQ avait fait dans les années 60-70. Oui, un peu plus à gauche, même si ben, au moment où le PQ était... clairement à gauche. Là, ils ne sont pas gênés de le dire. Ils ne sont pas gênés d'avoir des propositions qui sont très à gauche. On les a même traités de marxistes, ce qui me fait toujours rire. Je pense que les gens n'ont pas beaucoup lu Marx là, pour traiter ce parti-là. Des belles surprises là, dans, dans la ville de Québec, en fait, là, qui est très, très, très à droite, quand même deux députés solidaires qui sont, arrivés là. C'est intéressant de regarder l'âge moyen de, des électeurs dans Ben dans oui, puis il y a aussi le taux de participation. T'en penses quoi, toi, de la campagne de QS et des résultats? Bien, j'en ai déjà dit une bonne partie là-dessus. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire? Donc, voilà, QS qui séduit beaucoup les jeunes, qui a réussi visiblement à séduire les jeunes et peut-être certains quartiers de Montréal aussi, par rapport à leur nature socio-économique, étaient plus portés vers, leurs idées. Finalement, on a une image de QS qu'on a réussi à, transmettre comme étant peut-être des gentils, si on veut, là. Des gens qui vont s'occuper du bon monde, s'occuper du, petit peuple aussi, avec des idées à gauche. Et très clairement à gauche. Mais encore là, je pense qu'on a affaire à pas une grande vague. Ce n'est pas un tsunami, mais c'est une croissance indéniable. Oui, ben, plus qu'indéniable. Indéniable. Significative, oui, vraiment. Et selon moi, de partir de tout petit et d'en venir à, élire 10 députés devant un, parti bien établi, là, on peut quand même parler d'une petite vague. Ouais, mais interprétez-vous cette croissance du Parti québécois? Québec solidaire aussi comme une façon de s'être approprié le vote contre les vieux partis ou les, partis. Ouais, la CAQ a fait ça. La CAQ également. Parce que là, ce que vous me dites, c'est que cette dernière campagne électorale pour QS, c'est sur ses idées et son programme que les gens ont voté pour. Alors que depuis le début, on constate que, en tout cas, moi, je constate qu'on a donc une façon d'exprimer le vote contre les libéraux et contre la CAQ. Ce n'était pas le Parti québécois parce qu'on disait « Toi, tu es susceptible théoriquement de prendre le pouvoir. » Mais Québec solidaire, si on vote pour eux autres, là, on va voter contre l'establishment puis contre ces choses-là. Et peut-être qu'on ne vise même pas à détrôner personne. Mais moi je considère que, Québec solidaire a des, propositions très confrontantes. Toi, tu dis qu'ils sont irréalistes. Moi, j'aime ça penser en dehors du paradigme. Hein, comme disait Winston Churchill, tout le monde savait que c'était impossible à réaliser jusqu'au temps qu'il est arrivé quelqu'un qui ne le savait pas et qui l'a fait. Exactement. Moi, je pense qu'il y avait des, propositions confrontantes et très pour tout le monde, contrairement à certaines propositions du Parti libéral. Donc, le seul parti, selon ton allée, le seul parti qui a réussi à vendre des idées au cours de la dernière campagne électorale, ça aurait été QS. Bien, moi, je trouve que c'est eux qui l'ont le mieux fait. On l'a vu dans les débats. Dans les débats, Manon Massé est clairement au-dessus de la petite chicane là, de basse-cour, là. Mais elle a parlé d'idées ou elle a parlé moins. Mais quand elle parlait, elle nous apportait des plans, des parties de son plan. Bon. Est-ce que c'était l'idéal? Moi, à la place de voir des pubs où on voyait voter pour la CAQ pour le changement, on voyait des pubs de Québec solidaire avec Gabriel Nadeau-Dubois qui prenait un crayon puis qui nous expliquait comment faire les choses. Il y avait une didactique qui était beaucoup plus grande que les autres partis. Tu ne peux pas dire le contraire. Oui, d'ailleurs, QS qui est au niveau de l'image. Aller à un endroit où on a voté pour QS. Mais on parle d'idées quand on parle de cette image-là. Ouais. Aller dans un endroit où c'est un milieu favorable à QS, par exemple, comme l'UQAM. Aller à l'UQAM, par exemple. Là, à l'UQAM, si vous allez à l'UQAM, QS, vous allez l'entendre parler. Aller chez le coiffeur, vous allez entendre parler de la CAQ. Aller à l'UQAM, vous allez parler de l'environnement. Sans vouloir être grossier. Et je pense qu'il y a une autre affaire, c'est que l'enjeu le plus important de toute l'humanité, c'est l'environnement. Et c'est le seul parti qui prenait ça de front, mais clairement avec une proposition très confrontante. Mais on n'a pas le choix parce que la crise climatique là, est à nos portes. Là. On ne peut pas attendre. Pas dans les dents. Ben oui, mais on peut pas attendre. Vous avez vu des photos de profil vertes de la part de ceux qui se revendiquaient de QS? Non, pas de QS, mais me revendiquaient. Moi, j'ai mis ma photo de profil verte. C'était pour dire, parler d'environnement. Parce que QS proposait de modifier aux couleurs de, des solidaires aussi, ta photo de profil. Oui, mais ça, c'était en, orange. Mais celle en vert, c'était pour qu'on parle d'environnement. Ah oui, j'ai eu quelqu'un qui a fait les deux. Ouais, peut-être. Mais c'est ça. Donc, ça montre que les idées, la didactique, on parle de quelqu'un qui a formé ce cadre-là, donc qui a fait l'association QS Environnement. Donc, sa photo était verte, mais il s'affichait très clairement. Ben oui, c'est ça. Donc, ben, on voit un exemple. Moi, je reconnais que QS est allé chercher effectivement un électorat qui était
contraire à l'establishment en place. Là. OK? La façon d'exprimer pourquoi est-ce que c'est que je suis tanné. Je suis tanné de la corruption des partis politiques. Je suis tanné de ci, puis je suis tanné de ça. Moi, là, je ne voterai pas non plus PQ, je vais voter QS. Ça, ce vote-là, oui, il est allé chercher. C'est de même que tu vas peut-être expliquer ce qui s'est passé dans Taschereau à Québec, puis en Abitibi, Chantalard, à rien d'autre. Oui, puis à Sherbrooke aussi. À Sherbrooke aussi. Ben, ça, là, c'est comme ça qu'ils sont allés chercher. Oui, c'est à Montréal, c'est simple. Regarde où ils sont allés chercher leur comté à Montréal. C'est en entour de ceux qu'il y avait déjà. Oui, OK? Parce que c'est le même type, sociologiquement parlant, le même type de travailleurs et d'électeurs qui sont dans ces comtés. Mais ça revient à mon idée, Jules, c'est qu'au Québec, en ce moment, la majorité des médias sont à droite et ont des lignes éditoriales à droite, mais on parle plus de la gauche et de la social-démocratie, et eux, ils ont pris le flambeau et ils en ont parlé. C'est ça. Et c'est pour ça que les gens ont voté pour eux. Je sais pas. Donc, il y a cette idée-là aussi qui était là. Je me souviens pas qui avait dit ça. Hein? Le Québécois et la Québécoise sont des socialistes de cœur et des capitalistes de bouche. Mm-hmm. Et quand j'ai à voter et puis que j'entends un bon discours socialisant, tu vas aller travailler demain matin, là, hein, et il faudrait peut-être que ton boss ait un mot à du bon profit pour que tu puisses être en mesure, toi, d'avoir ta paye dans tes pas. Okay. Quand tu vas aller voter, là, tu vas faire quoi? Ouais, mais où tu mets le X? Mais ça, pour moi, on voit plein de pays qui sont social-démocrates. Va en Scandinavie, gens ont de l'argent, les entreprises ont de l'argent, et pourtant, il y a des mesures sociales pour tout le monde. Beaucoup plus pour tout le monde. Fait que, tu sais, ça se fait, mais il faut vouloir le faire. Oui, rapidement, on a presque plus de temps, parce qu'on parle, puis on parle, puis on aime ça. Je veux juste noter que la députation, c'est la fois où il y a plus de femmes à l'Assemblée nationale. Bravo les femmes, on lâche pas, on va arriver à la parité bientôt. Je veux vous entendre sur les sondages, parce qu'on a eu beaucoup, mais beaucoup, beaucoup de sondages. Les sondages, ce sont, en général, mis le pied dans la bouche. Est-ce qu'on a trop de sondages? Est-ce qu'on devrait interdire les sondages à la veille des élections? Comment vous voyez ça, les sondeurs? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de sondages par Internet, la population, l'échantillonnage. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que la méthodologie est bonne? La méthodologie, c'est quelque chose qui est ignoré de plusieurs, qui est très important à aller voir, qui ne le sera jamais beaucoup. Donc, c'est important d'aller voir la méthodologie des... Je viens du monde des sciences humaines. On a eu des cours de statistiques, on a eu des cours de méthodologie. C'est quelque chose qu'il faut se rappeler qu'il existe. Et il faut mettre ça en perspective. Un sondage, mais il faut vivre avec. En même temps, moi, j'ai eu comme prof Vincent Lemieux, qui est une sommité dans les sondages politiques au Québec. Et la première chose qu'il nous disait, c'est l'affaire à laquelle on peut se moins fier. C'est un sondage politique. Reste que, avec ce que Jules nous a dit aussi, parfois, on va avoir tendance à dire « oui, je vais voter pour ça » parce que là, on veut s'exprimer avec notre cœur. Et là, finalement, bon, notre poche nous reparle et ça biaise tout ça. Mais je pense qu'il faut juste vivre avec rendu les sondages. C'est un mal nécessaire. Les sondages vont demeurer parce qu'ils permettent de tracer dans le paysage politique des voies, OK, des orientations de ce qui se passe. Et tant et aussi longtemps que nous aurons le choix, quand tu votes, soit de voter pour un parti, ou soit de voter pour quelqu'un qui va te représenter et qui va bien... Tu sais, cette dichotomie que nous avons dans l'élection au Québec, ça fait en sorte que quand tu votes, ton vote, à ce moment-ci, a peut-être été un vote exclusivement idéologique. Moi, mon vote, il a peut-être été exclusivement par rapport à un parti, et Jean-René a voté pour quelqu'un parce qu'il trouvait que ce candidat ou cette candidate-là était bon. Hey, on a trois opinions, là, sur la façon dont nous avons fait le même geste. Et il n'y a personne qui a la vérité. Exact. Et le sondeur, lui, ramasse ça. Ben, le sondeur, il a dit quoi? Ben, regarde, il a dit un tiers, un tiers. 33 % des gens appuient un tel, 33 % appuient un autre, puis tant... Ouais, mais on a tous voté pareil. On a voté... Ouais. Alors, tant et aussi, les sondages, donc, auront toujours cette dichotomie, ou en fait, cette façon de ne pas être capable de nous donner la réalité juste. Et on sait qu'est-ce qui se passe, hein? Lors des trois ou quatre dernières élections, là, OK, qu'est-ce qui se passe? Ils se trompent tous. Oui, mais beaucoup. Vous êtes ouais, on se trompe. En fait, ils se trompent pas. Parce qu'il faut jamais oublier, puis je sais que je radote encore quand je le dis, mais un sondage
quand tu fais faire, tu le fais faire pour quelqu'un qui va appuyer quelque chose. Or, moi, quand je vote dans un comté. Ouais. Je vote pour, non pas l'ensemble, mon vote là, qu'on met dans la, dans la barrière, pas dans la barrière, mais dans la case du sondage, OK? Il n'est pas représentatif. Et en même temps, un sondage, c'est une photographie. Dans l'instant, c'est pas, c'est statique, je pense qu'elle un sondage. Était floue pas mal. Elle était floue pas mal. La photo. Peut-être juste revenir à... Oui, je te laisse 30 secondes. OK, 30 secondes. Il y avait une des firmes spécialisées qui disait qu'il faudra peut-être que nous revoyions notre façon d'aller chercher des échantillons. Ben oui. D'échantillonnage. C'est fort probablement un des éléments qui pourrait nous permettre d'avoir, même si on pense que c'est pas juste une façon plus réaliste. Parce qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui veulent gagner leur élection, donc qui attendent un peu à la dernière minute, les indécis là, qui vont se placer. Là-dessus, ben, on verra qu'est-ce qui va se passer. Y aura-t-il une réforme du mode de scrutin? Est-ce que c'est la fin du bipartisme? Plein de bonnes questions. On va y revenir. On vous remercie d'avoir été des nôtres. Hein. On va parler de la gestion de l'offre la semaine prochaine. On n'aura pas le temps. On aurait pu en parler deux heures, je pense. Merci d'avoir été des nôtres. Passez une belle semaine. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonne semaine. Partagez, commentez. Je serais vraiment malheureuse si on n'avait pas d'hiver. Vous faites bien de vouloir en profiter. Je vais pouvoir skier autant que je veux. Oui, votre projet est en sécurité. Parfait, ça. Placez votre projet d'avenir en sécurité avec les produits garantis à 100% d'épargne Placement Québec. Idéal pour votre CELI ou votre REER. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Ici, on a choisi de nationaliser l'électricité. Pour qu'elle appartienne à tous et pour mieux servir les Québécois. Ainsi, en s'assurant tout temps de la fiabilité de nos installations, on reste accessible grâce à nos heures d'ouverture élargies et à nos services en ligne, et on intervient plus rapidement que jamais en cas de panne. Parce que dans le fond, on est là pour vous. Hey! Qu'est-ce que vous faites là? Oh, on vient pour une activité d'éveil à la lecture. Ah oui, il y en a de plus en plus. Ben oui, ça les prépare pour l'école. Et puis ton gars, ils vont ajouter des intervenants pour les enfants à besoins particuliers au primaire. Ça va aider. Les 60 minutes d'activité physique par jour, ça va leur faire du bien. Mais même dans le bulletin. La réussite des jeunes au cœur du plan économique du Québec.